C'est Sockfreeny97, j'espère que vous êtes tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 76, encore c'est comme vous avez pu voir dans le titre et dans la miniature. Je vais vous présenter trois camps de trois abonnés. Alors si vous aussi vous voulez participer aux vidéos où je vous montre vos camps et même vos abris, n'hésitez pas à postuler dans l'espace commentaire. Évidemment je prendrai que les joueurs PlayStation pour le moment, jusqu'à ce que j'ai un peu plus de temps pour jouer sur PC et de monter mon personnage hein, qui est encore niveau 1, niveau 2 sur le compte des abonnés sur PC. Et je ferai donc des vidéos avec les abonnés PC, donc les camps, les abris. Donc je répète, si vous voulez que je vienne visiter vos camps et que vous apparaissez en vidéo vos camps ainsi que vos abris, n'hésitez pas à postuler dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Likez, commentez pour que je puisse avoir vos avis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça n'est toujours pas fait. Les autres liens en description. Bonne vidéo. Bah écoute, c'est parti, hein. Fais-moi visiter ton camp, nous tous suivons. Bah d'accord. Bon voilà, j'ai ma petite exploitation, on va dire toute petite pour tout ce qui est adhésif, donc maïs, tomates, D'accord. tout ce Mais qui est mutant. j'ai une question, est-ce que ces produits sont légaux? Est-ce que c'est des bonnes plantes? Ah bah oui, celles-là, elles sont pas. Tu peux les sniffer, tu peux les fumer, ça devrait aller. Un peu de radioactivité, mais c'est Ah, bon. d'accord, ok, parfait. Il y a Qui a quelques précisé carottes illégal. aussi. C'est ça, ouais. C'est légal, ça reste du. C'est catégorie CBD. D'accord. Bon bah autour du feu hein, bien sûr pour bien accorder un peu de musique hein. Normal hein. Tout le monde connaît. Pas mal. La petite cabane privée pour dormir hein. On connaît de la cabane sordide. C'est la première fois que je vois une cabane office de chambre, mais. Ouais bah pourquoi pas je sais Ça donne pas. un style, moi j'aime bien mon perso. Ouais, c'est. Ensuite, là, il y a tout ce qui est marchand. Moi, j'ai mis tous mes trucs de marchandises, alors qu'il n'y en a besoin que d'une maintenant, mais j'ai laissé les quatre, parce que ça me comble un peu de place. Ouais, parce qu'avant, tu te rappelles au tout début, les machines, c'était un bordel. Il y en avait une pour les Ouais, armes, l'autre pour les c'est munitions. ça. Ah ouais. Ouais. Là, ici, ça fait une sorte de petit balcon, enfin, pas balcon, mais genre pour avoir la vue au niveau du pont, ça fait une belle vue. Ah, j'aime bien ici, là, en tout cas. Andy, tu prends Là où je d'avance, suis, là. là. Ouais. J'espère pas. Alors, mon panneau un peu les cartes pour les builds, je l'ai mise ici parce que je savais pas trop où le mettre. Mais les Je voulais cartes pour pas les le mettre dans quoi? le hangar. Pour les cartes pour les quoi, monsieur? Les builds. Ah, ok. J'avais compris autre chose, mais pas de soucis. T'avais compris quoi? Les Les builds. Non, les builds. Parfait. Parce que je savais pas trop où le mettre d'autres, donc je voulais pas le mettre dans le hangar parce qu'il y a déjà beaucoup de place. Donc avant de monter d'ailleurs, on va voir le petit hangar, c'est tout ce qui est fabrication, tout ce qui est atelier, chimie, cuisine, armes, armures, bricolage, distillerie, enfin brassage et tout quoi. C'est très bien. Bien rangé, tout ça, impeccable. Mmh. Par contre, la lampe de chevet, Comment? il y a une petite lampe de chevet ici, dans un endroit pareil. Ouais. En plus, elle est si belle, en plus. C'est de la chimie, il faut être précis, donc automatiquement, il faut voir ce qu'on Ah oui, ok, d'accord. fait. Alors, ensuite en haut. Alors là, on a la. Pour s'enlever la radiation, ben, on a la. Normal, hein. Pour s'enlever la Bah, tu radiation. peux passer dedans, vas-y. Bon, mais là, elle est éteinte, donc ça va. Oui, bah oui. Et pour se mettre des radiations, on a les émetteurs ici, au cas où, hein, ceux qui veulent jouer sans, comme ça, tout à disposition, s'il y en a qui visitent le camp ou qui viennent juste faire leur marchand. Ouais, ça Ouais, c'est bien ça. d'ailleurs, faut peut-être pas 3 mètres, je suis déjà. Alors, ensuite, ici, là-haut, on a la petite jukebox, histoire d'être bien, petit coin salon. Bon, télé, bon, il n'y a pas les chaînes, hein, tant pis. Y a pas Netflix?
Non, il n'y a pas Netflix, il n'y a rien du tout. On peut l'allumer, c'est écran blanc. C'est à l'époque, quoi. Faut chercher, faut imaginer. Ok. Voilà. Il Ouais, y a écran bon, blanc, le gars est sur son canapé, il fait bah. C'est ça, il est captivé totalement. ouais. Bon, après, si ça fait un petit présentoir à chope de bière, tranquillement, Ah mais point musculation. vous êtes des alcoolos chez vous là, non? Un peu. Bah, c'est que j'en ai mis beaucoup parce que je voulais que ça soit rempli en fait. Mais bon, Précise, si quelqu'un. surtout pour quelqu'un qui habite tout seul. C'est clair, Il je a pense que c'est pas fait sombré. ici par contre. Il a sombré dans l'alcool. C'est ça. Ah, c'est stylé, ouais. Bon, ici après, c'est juste le réacteur et puis le convertisseur de munitions, c'est tout. D'accord. Bah, nickel, Tu l'as fait à merci l'envers. de m'enfermer. Laisse-le. Eh ben, ton camp, il est bien, il est bien, il est bien. Ouais, et encore, je peux pas me vanter de l'avoir fait moi-même parce que c'est pas le cas. On me l'a fait, Toi mais aussi. ouais, on me l'a fait parce que je suis pas très habile avec les camps, Moi non plus, tu vois. Je suis pas bon. donc je vais pas m'en plaindre parce que moi, ça va, je me suis habitué dedans. Et puis, au passage, tu vois, il y a des présentoirs de deux armes Ouais. là. Dedans, il y a quoi déjà? Il y a Celle-là, c'est l'arrangeur et pas. tous les gratte-ciel. Ah, voilà, ouais, c'est ça. Celle-là, c'est Et là l'arrangeur. tous les gratte-ciel, celle-là. C'est ça. Et Ouais. un arrangeur basique que j'ai mis là. Avant, au début du jeu, elle était vachement OP, cette Ah oui, à paramassage. Wet Ouais, Spring je jouais avec les qu'avec ça boules, avant, je me c'était rappelle. énorme. Ouais. Ouais, totalement. C'est vraiment puissant. Et ben, ce fut un camp émouvant. Frère, j'ai Andy, envie. c'est quand tu veux, Andy? Ok, ben là, ici, on a l'entrée, du coup. Avec les trucs pour s'enlever les radiations. Alors ici, on a le salon. Avec la petite fenêtre, effectivement. Ça. C'est très Petit coin classe, de hein. détente devant la télé. Ah ouais. Avec le petit piano et la petite vitrine juste ici. Ensuite, les escaliers que j'ai galéré à poser au passage. Ouais, je me doute. Là, la petite salle détente et le coin bar. Ouais. Avec le bar juste ici. Là, ouais, et ben là c'est la terrasse, justement, tu veux y aller. Je regarde un peu tout. Bah c'est très bien fait, Andy. Merci. Tout est fait Là. au millimètre près. C'est très beau. Là, du coup, c'est le coin de terrasse. Avec vue sur la piscine. Ensuite, on a le coin cuisine juste ici. Avec les machines à laver et compagnie. Et deux dernières pièces, la chambre et la salle de bain. Ah, pardon. Ben c'est bien. Et ici, la salle de bain. Impressionnant. Ah oui, C'est il beau. y a le coin piscine et le coin garage que j'ai failli oublier de vous T'as pas mis montrer. la petite baignoire, on dit. À la base, je l'avais mis, mais je l'ai changé contre la douche. D'accord. Et enfin, mon coin favori, jacuzzi piscine. Sympa. Voilà, avec le petit garage ici, là, mais les petits. Et ben c'est très bien fait, Andy. Franchement, impeccable, Andy. Je comprends pourquoi tu as su décorer mon camp dans la Fallout World. Plutôt bien. Merci. Ouais, c'est sûr que comparé à mon camp, le tien, c'est vraiment genre, il a apprivoisé le jeu, et puis moi, c'est genre, j'ai juste fait quelque chose pour m'adapter un peu. J'ai carrément apprivoisé. C'est une maison qu'ils pourraient mettre Ah sur un site ouais. d'achat et on pourrait faire un prêt et l'acheter, quoi. C'est ça, ouais, c'est vraiment bien fait, quoi. Genre, t'as l'impression que tu pourrais t'en inspirer pour en faire une vraie maison, quoi. Ouais, ben je me suis un peu inspiré de ce qui se fait pour faire ce camp-là. Y a des maisons comme Et ce ça à que j'aime Marseille? bien, c'est la vue d'extérieur. D'accord. Et y a des maisons comme ça à Marseille? Oui, dans les coins un peu vers les plaines, tout ça, oui, tu peux trouver des maisons de ce style-là, oui.
D'accord. Il y a des réacteurs dans le garage et tout alors? Non, non, non. Ah, ok. Quand même pas. Si tu veux. Et c'est parti, je te suis. Voilà, micro. J'ai fait ça comme Balouine. Halloween. Voilà, alors on va faire la maison principale. Ouais, il y a la mot qui sort. Allez. Alors ici, c'est la pièce principale. Vous voyez qu'il y a un petit problème au niveau de la petite réunion qu'ils ont fait. Ouais, j'avoue. Ça vole un peu dans tous les sens. Mais c'est bien, ça fait très paranormal, tu vois, du coup. Voilà. Ah, c'est les Martiens, voilà, ils se sont testés à quelque chose, mais ça a pas vraiment Ils fonctionné. ont fait du Ouija. Voilà, ici, ça c'est la cuisine à meubles. D'accord. Eh bien, ça sacrée cuisine, hein. Voilà, il y a eu un peu de découpe. Un peu. Un peu. Ensuite, on va aller monter dans la chambre en haut. Escalier un peu glauque. Voilà la chambre à coucher. Comme je te disais, je trouve que ça va mieux quand il fait mieux, quoi. Bah oui, du coup, ouais, t'as raison, hein. C'est clair. C'est bien, c'est bien. Ça se met plus dans l'ambiance. Et ici, c'est un espèce de petit cachot. Ah, carrément. Voilà. Ah, carrément. D'accord. Avec les invités et deux cachots, et on rejoint de l'autre côté sur l'escalier. Et quand on allume le bouton, voilà, ça met en route la chaise électrique. Ah, bah Mais c'est écoute, génial. scénariste de film d'horreur, pourquoi pas, hein? Sto. Voilà, l'électricité, c'est le piège électrique qui va se casser au bout d'un moment. Voilà. Bah c'est très bien, c'est très beau. Et tu vois que tu viens de me faire voir que j'avais oublié d'allumer la. De connecter la. J'ai fait quelques petites modifications et j'ai pas connecté la lampe. Là-haut. Normalement, il y a la lampe qui s'éclaire avec. Bon, la petite terrasse, pas mal. Avec une chaise par-ci par-là, le foin. Qui est rangé. Ensuite, il y a la petite cabane à côté. C'est l'atelier. Ouais. Avec tout ce qu'il faut pour survivre sur les terres désolées. C'est super. Voilà. Et ensuite, on va aller dans la brique et dans la petite crypte. Donc ça, c'est l'abri là.